vous. Bienvenue à l'atelier 70 TTC. Donc je vous présente Luc et Christian, les deux coloristes de l'atelier. Thomas, dessinateur de bande dessinée. Et ici, Benoît, dessinateur de bande dessinée également. Avant tout, on fait un dessin pour s'adresser aux gens et raconter une histoire. La bande dessinée, c'est ça. Et ça, l'atelier me l'a appris quand je suis arrivé. On est comme dans une famille, donc dans un petit espace, qui est assez grand malgré tout, mais avec le nombre de personnes. Et c'est pas toujours très simple. Donc voilà, il faut passer toutes ces barrières. Et une fois que c'est fait, logiquement, tout se passe bien et on peut rester à l'atelier. Vu que mon école m'a juste appris à dessiner, m'a appris les techniques du dessin, on n'a pas vraiment eu de cours sur comment ça se passe pour monter un dossier pour un projet. Et du coup, bah, l'atelier pour moi, c'était un peu... c'est aussi avoir des retours et aussi avoir un endroit où travailler. Parce que c'est vrai que dans sa chambre, tout est propice à pas du tout travailler, quoi. Donc là, c'est quand même vraiment, c'est mieux. On a grandi ensemble et après, on a pu aussi accompagner des gens. Et depuis 25 ans, il y a eu une quinzaine d'auteurs à peu près qui sont passés ici, qui ont été membres de l'atelier, qui ont vécu. Et on a reçu énormément de stagiaires aussi. Et dans ce flot de stagiaires, il y a des personnalités, des gens qu'on a accompagnés plusieurs fois et qui sont aujourd'hui devenus auteurs de bande dessinée, avec qui on est toujours en contact, ou voire avec qui carrément on collabore et on travaille.